Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo ASMR en soirée, donc en pyjama, mais pré-filmée, donc encore en tenue d'été. Je pense que cette vidéo, je la filme un peu en avance parce que j'ai pas reçu les trucs que je voudrais commander, etc. Donc je voudrais faire des vidéos haul, des vidéos achats, etc. Sauf que je n'ai pas encore eu le temps ni l'occasion de faire ces achats. Donc pour le moment, je fais des vidéos avec ce que j'ai à la maison. Mais cette vidéo est utile pour moi puisque du coup je vais refaire l'inventaire avec vous de tout ce que j'avais acheté pour ma mission opération cheveux longs. J'ai envie là à partir de maintenant, donc au moment où je vous filme la vidéo, nous sommes fin août et j'aimerais qu'à partir de septembre, c'est souvent en septembre qu'on met des choses en place, soit pour l'année, soit pour le semestre. Là on fera un autre bilan, on va dire au mois de décembre. Alors pas sur cette pas en ASMR, mais en plus dans des vlogs ou dans des vidéos spécifiques parler face cam, etc. Mais il y aura peut-être du coup d'autres achats spécifiques aux produits pousse de cheveux. Voilà, donc j'avais déjà filmé ces achats là, mais je me souviens plus trop de ce que j'ai acheté et je voudrais commencer à mettre en place la petite routine. Donc je voudrais un peu voir ce que j'ai acheté, ce que j'ai acheté en plusieurs fois. J'avais acheté je crois sur Amazon, j'ai acheté en parapharmacie, j'ai acheté un peu à droite à gauche, j'ai acheté des trucs chez Normal, j'ai acheté des trucs quand j'étais à Nantes avec une copine. Donc je vous ai montré un peu tous mes achats au moment où je les ai achetés, mais j'avais tout mis voilà en vrac sous le lit en me disant au mois de septembre je referai le point. Et on va essayer de voir ensemble les routines que je peux mettre en place. Alors il y a peut-être des doublons, des choses. Par exemple, je sais que j'ai pris des shampoings. Je ne vais pas utiliser deux shampoings forcément en même temps. Après, il pourrait y avoir un shampoing qui irait là et un shampoing qui irait... Alors au mois de septembre, je vais pas aller en salle de sport. Je verrai peut-être, j'irai à la piscine, mais c'est prévu d'y aller une fois, voire deux fois semaine. Donc c'est pas très grave si j'utilise un autre shampoing. Voilà. Je vais voir un petit peu, mais voilà, j'ai pareil au niveau des lotions, des sérums, etc. Voir un peu comment je mets ça en place. Alors le mois de septembre, ça va être un mois un peu bancal parce que j'ai prévu de faire du sport à la maison et de finir mes coupons de piscine en gros. Et la piscine ferme le 15 octobre et donc j'ai prévu et j'ai envie d'aller en salle de sport. Donc là, une autre routine se mettra en place. Mais si je connais déjà un peu les produits et que je commence à les utiliser, j'arriverai peut-être mieux déjà à mettre une routine en place. Voilà. Parce que là, du coup, la salle de sport, moi, j'irai quand je sortirai du boulot, donc de midi et demi à 14h30, un truc comme ça, entre le moment où je vais arriver, me changer, faire le sport, me laver et puis sortir, en fait. Partir. Donc je pense que j'arriverai à la salle de sport à 35-40 et j'en ressortirai sans doute à 14h, 14h15 au plus tard. Voilà. Donc je sais pas trop comment je vais faire parce que je me dis c'est à ce moment-là que je prendrai ma douche et que je me laverai les cheveux. Mais après, si je me mets une lotion, bah, le lendemain matin j'aurai peut-être les cheveux sales. J'ai pas envie de me relaver les cheveux le matin pour me les relaver le midi. Enfin voilà. On va essayer de voir un petit peu comment on peut faire ça. Tant que j'ai les cheveux courts, ça va être compliqué parce qu'à partir du moment où ils seront assez longs pour être mis en chignon ou en queue de cheval, je me dis quand je pourrai les tirer en arrière et les attacher, je pourrai mettre des lotions sur mes cheveux, les attacher. C'est pas très grave s'ils sont sales, mais quand ils sont comme ça lâchés, sales, tout de suite ça fait, voilà, ça fait plaquer sur le visage, ça fait pas très joli quoi. Alors on va redécouvrir un peu tout ce que j'avais acheté. J'ai tout laissé dans un sac où j'avais d'ailleurs acheté des petites choses, voilà, dans le sac normal. Alors, il y a des choses que vous allez peut-être vous remémorer et il y en a d'autres. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est des comprimés. Donc ça, c'est une petite cure de compléments alimentaires. Donc ça, je l'avais acheté, il me semble, en parapharmacie Leclerc, pas loin de mon travail. Il devait y avoir une offre ou un truc comme ça. Alors, c'est de la marque Gragnon. Pro-Kérassi. Cheveux 4 en 1. Anti-chute, force, croissance et brillance. Alors.
pendant le petit déjeuner. Programme de 3 mois à renouveler 2 à 3 fois par an. Recommandé après la grossesse et à chaque changement de saison. À conserver une température. Voilà. Il est conseillé de consommer ce complément alimentaire dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose recommandée, à tenir hors de portée des enfants, etc. etc. Alors comment ça se présente? Ah oui, d'accord. Donc voilà, après c'est très bien vu que c'est 3 le matin, au moins 8, ça fait une ligne. Est-ce qu'il y a une recommandation?
3 minutes avant de rincer. Donc voilà, il faut l'utiliser 3 fois semaine. Par exemple, je peux me dire que je l'utilise le lundi. Ouais, peut-être le dimanche soir, parce que j'ai dit que j'allais essayer de plus me laver les cheveux. Bon, quoique là, je suis dans une routine où c'est pour activer la pousse, donc je peux pas me les attacher encore. Donc les lundis, les mercredis et les vendredis, comme ça au moins ça reste des trucs fixes. A repris un peu le dessus, quoi, parce que je ne perds plus mes cheveux.
Ça, c'est pas vraiment ce que je recherchais, mais c'est surtout stimule le cuir chevelu. Vitalité du cuir chevelu. Alors, j'avais vu effectivement que le romarin permettait effectivement de réactiver un petit peu la pousse en stimulant le cuir chevelu. Le premier ingrédient, de l'eau. Deuxième ingrédient, de l'alcool. Comme ça. Les plus extrêmes.
les shampoings, je pense que c'est ce que j'ai le plus. Mais c'est ce qui serait plus facile à utiliser. Après, je verrai pour d'autres compléments type masque, après shampoing, sérum, vous voyez, des petits trucs comme ça, lotion, etc. Peut-être, il y a peut-être aussi des compléments alimentaires type des boissons, voilà, du thé ou des trucs. Je sais pas s'il peut y avoir quelque chose qui peut stimuler un peu. Je sais qu'il y a par exemple la levure de bière. Je vais peut-être pas en prendre en cachet, je sais pas encore. Mais par contre, il y a de la levure de bière en paillettes. Ça, j'en ai dans le garage. J'aurais pu la mettre dans cette vidéo, vous me direz. Mais je pense que je vais l'inclure aussi, ça. Que je rajoute une petite cuillère de levure, enfin de paillettes de levure de bière. Pour de levure maltée, en gros. Pour, voilà, les cheveux, les ongles, etc. Ensuite, là, j'ai deux fois le même produit. Donc, je vous en montre qu'un seul. Je vais mettre ça dans la lotion, je pense. Puisque ça, c'est... Ils appellent ça un sérum activateur cuir chevelu sain et croissance. Donc ça va avec le shampoing. C'est pareil, j'ai payé ça aussi 9€. Et il n'y a vraiment pas grand chose. Où est-ce qu'on voit là? 100ml. Le shampoing, je crois qu'il fait 400. Non, il fait 300 le shampoing. Je sais que je vais reprendre des trucs Luxéol parce que là j'ai qu'un seul truc Luxéol et j'ai remarqué un truc, j'ai cherché moi des j'ai trouvé que 30% bon c'est déjà pas mal, 30% de réduction sur le site Luxéol en exclusivité web. Par contre les prix sur le site de Luxéol sont plus chers que ceux sur Amazon. J'ai pas trop compris le truc et je me dis finalement je suis plus gagnante à acheter les produits Luxéol sur Amazon. Allez comprendre. Donc j'irai faire un tour en parapharmacie puisque des fois il peut y avoir aussi des promotions. Alors là c'est écrit mais alors très petit. Qu'est-ce qu'ils disent? Faut éviter le contact avec les yeux. Ouais ok, mode d'emploi appliqué directement sur l'ensemble du cuir chevelu après la douche. Donc il faut d'abord se laver les cheveux, masser le cuir chevelu avec les doigts en effleurant, en effectuant pardon, des mouvements circulaires, ne pas rincer, utiliser quotidiennement. Ok, donc ça c'est après le shampoing, au moment où vous avez le cuir chevelu, vous sortez de la douche, c'est encore un peu humide, c'est quelque chose que vous mettez, voilà, vous massez un petit peu, et après bah, vous brossez les cheveux et puis vous les laissez sécher. Je pense que c'est, je vais peut-être commencer ma routine d'abord avec ça, vous voyez, le shampoing et le sérum, voilà, que je vais utiliser quotidiennement parce que en ce moment je me lave les cheveux tous les jours, je vais à la piscine tous les jours. La semaine prochaine, enfin au mois de septembre, je ferai aussi du sport tous les jours, c'est-à-dire que je ferai soit piscine quand je pourrais y aller, soit maison, voilà, donc avec des Grow and Grow with Joe, avec des mince, Walkatome, Dance Walk Workout et tout ça, voilà, je ferai des choses à la maison, donc je serai en sueur, donc je me laverai les cheveux. Et quoi de mieux que de faire tout le mois de septembre avec ça, peut-être, pour voir. J'ai retrouvé ça aussi. Je crois que je vous avais montré ça aussi dans des achats actions. Donc, bon, là, il y a soit c'est un comprimé, donc c'est des compléments alimentaires de chez Action Innovit qui sont spéciales cheveux, ongles et peau. Voilà, skin, c'est peau, hair, c'est cheveux et nails, c'est les ongles. C'est un comprimé par jour, il y a 60 comprimés, donc là, vous avez 2 mois. Là, j'ai 3 mois. J'ai 4 mois, je veux dire, donc là j'ai 6 mois de compléments alimentaires. Donc je pense que voilà, compléments alimentaires, je vais pas prendre plus pour l'instant, je vais attendre de voir. Et au pire, pas pendant les vacances de décembre, voilà, quand Lancelot sera chez ses grands-parents, et pas pour démarrer l'année, j'irai refaire un plein de compléments alimentaires. Voilà. Soit cela, ou soit je reprendrai une cure en parapharmacie de plusieurs mois, je sais pas encore. C'est quelque chose
fait une vidéo où j'avais acheté plein de compléments alimentaires chez Action. C'est valable jusqu'en novembre 2025. Et quand j'ai fait un peu le tri, voilà, je me suis dit, bah tiens, j'ai ça que je peux inclure dans ma routine opération cheveux longs. J'utilise les roses pour appliquer tout ce qui va être sérum. Et puis
shampoing, l'après-shampoing, tout ça, en acheter des bleus qui resteront dans ma douche. Voilà. J'ai pas encore pris le temps de les déballer. Mais va falloir. Je pense aussi m'acheter, vous savez, des charlottes. Je voudrais me prendre une charlotte un peu chauffante. J'ai vu ça sur Shein. J'ai prévu de faire une commande aussi ce mois-ci pour des choses de beauté. Donc ça fera partie de ça. Une charlotte, vous savez, avec une doublure un petit peu style aluminium pour quand vous mettez des soins, que ça fasse chauffant. Bah, par exemple, quand je me ferai mon bain d'huile ou bah, si je mets par exemple la lotion le dimanche et que bah, je décide de faire vraiment un truc... voilà, une après-midi lotion chauffante et après que je lave, voilà. Et bien, ça peut, voilà, je mettrai la charlotte, comme ça je pourrai vaquer à mes occupations. Et ça permettra de faire pénétrer un petit peu plus le produit. J'ai vu des charlottes comme ça et j'ai vu aussi des charlottes un peu style satin ou soie, vous voyez, un peu des matières comme ça, pour dormir avec, pour pas que les cheveux prennent des mauvais plis ou pour pas que, voilà, que les frottements abîment le cheveu, etc. Je sais pas si vous êtes déshabitué de ça, dites-moi. Mais voilà, j'ai vu ce deux types de charlotte là. Charlotte pour dormir et charlotte pour un petit peu mettre et activer un peu les soins. Donc je vais un petit peu regarder ça. Donc vous aurez, je pense, une vidéo là au courant, enfin dans pas très longtemps, avec des compléments de choses que j'aurai achetées. Voilà, je pense que d'ici un mois, vous aurez ça entre le moment où je passe la commande, que je la reçois et puis que j'aille faire des achats par un pharmacie, magasin bio et puis boutique spécialisée coiffeur. Donc voilà pour mon inventaire. Au moins voilà, j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais. Je pense que je vais me racheter donc le shampoing pousse plus vite de chez Lush. Voilà, j'ai réussi à retrouver de chez Lush. Je sais pas s'ils ont un après-shampoing ou un masque pour stimuler la pousse des cheveux. Je vais regarder ça. Mais voilà, je pense que je vais aussi me prendre celui-là parce que dans mes souvenirs, il avait très bien marché sur moi. Donc on va voir. Et puis voilà, masque et après-shampoing. Et les fameuses charlottes. Et puis en alimentation, je sais pas ce qui pourrait faire pousser les cheveux. Je vais chercher sur internet aliments qui favorisent la pousse des cheveux, j'en sais rien. Alors je sais, il va y avoir tout ce qui va être levure de bière, etc. Donc je pense que ça sera ça. Ce sera les fameuses paillettes de levure maltée. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aura pas été non plus très intéressante, mais en tout cas, moi, ça aura été utile de refaire l'inventaire. Et pour vous, du coup, ben, y aura eu du blabla. Et puis, il y aura eu surtout voilà, des petits bruits du tapis, etc. Des petits bruits relaxants. Donc, comme je disais, j'espère que cette vidéo vous aura plu.